C'est simple, c'est une contre-attaque. Voilà, j'accélère, j'essaie de continuer dans la surface, de placer une double accélération et ça pète. Je ne peux plus continuer, j'arrive pas à freiner, donc je m'arrête à la main courante, la rambarde. Et bah, je demande le changement. Non, en fait, plutôt l'autre. Hey, t'es aussi partout, toi. Hein. J'étais surpris dans la camionnette. Pas mal, pas mal. Ouais, je m'attendais pas à te voir ici. Salut, bonjour. Salut. Allez. Ça va? Et toi? Bien. Ça va. Pas mal, hein? Hey. Bon, attention maintenant, pas mouiller parce que. Non, je les mets deux fois. Je vais les mettre une semaine après dans un musée. Ça va couler dans tous les sens. Capitaine, c'est le capitaine. À froid, j'avais vraiment mal, quoi. J'arrivais pas à marcher, donc j'ai gardé les béquilles 4 jours. 4 jours les béquilles, et après bah, j'ai commencé à faire mes soins, faire mon protocole de soins, faire ma rééducation. Et tout doucement, me donner des objectifs chaque semaine pour voir si j'étais dans les temps de passage ou pas. On est bon? Allez. Pour moi, dans la vision que j'ai de la blessure, n'importe quelle blessure, bah, que ce soit une de tes caractéristiques ou non, il faut en prendre soin parce que voilà, je pense que les joueurs n'ont pas envie de passer leur année à l'infirmerie. Pas penser qu'on est heureux, on a envie d'être sur le terrain. Dès que tu penches le tronc, là, tout ça. Ouais. Toujours ta zone là. Ouais. Si je passe comme ça, ça va? On va prendre le temps, on va bien se soigner et après on va essayer de revenir petit à petit. On sait que tu es un mec de défi. Est-ce que on a fixé un délai? Est-ce que toi tu t'en as fixé un autre? Non, pas de délai, faut prendre son temps. Là c'est le début de saison. Faut pas être trop pressé. Je pense que c'est la seule période de l'année où on peut avoir le temps. Donc on va prendre le temps pour bien revenir et pour éviter que je sois encore ici à l'avenir. Under, il est revenu avec nous. Il va faire du bien à l'équipe. Hey, moi je fais quoi après là? T'as lâché les chaussures customisées? Non, faut pas trop les mettre. Si tu les mets trop après, mon ami, ça perd de sa rareté. C'est tac, et quand tu rentres, tu vas. Vas-y, descends, regarde mon haut.
Ah, au départ, c'est plus des soins, parce qu'il y a la cicatrice, il faut cicatriser, il faut qu'elle cicatrise. Et après, il faut tirer sur la cicatrice pour éviter un maximum que le pourcentage de rechute soit le plus faible possible. Et après, on va commencer à renforcer, il faut recommencer à renforcer, à tester aussi s'il est capable de subir la charge, surtout des courses à haute intensité. J'en fais pas mal dans le match, c'est mon jeu. Ça va mieux ? Ouais, ça va mieux, c'est bien, c'est bien. On était bien accordé sur la prise de temps, sur la notion de travail, les étapes qu'on devait faire, tout était clair, tout était carré, donc c'était top. Aujourd'hui, comment tu te sens ? Très bien, très bien. J'attends de rejouer parce que voilà, c'est bien gentil les soins et les rééducations, mais voilà, moi je veux rejouer. C'est la fin. Je reprends l'entraînement avec le groupe depuis quelques jours et je vais reprendre le match là normalement. C'était difficile aussi parce que voilà, je me disais comment ça se fait de s'être blessé comme ça. Je pensais avoir tout bien fait et voilà, ça m'est tombé dessus comme ça. D'un coup, je ne l'avais pas prévenu, j'ai pas ressenti. C'était pas facile, mais voilà, comme j'ai dit, c'est le début de la fin. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain.